Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker. On est parti dans un nouvel épisode de Rogue Legacy 2. Et dans cet épisode, les amis, je pense que nous allons attaquer finalement, parce que dans l'épisode précédent, j'ai dit que je ferais peut-être le lancier, mais quand même plus 25 gold, et puis anticonformiste. Let's go, on va jouer une boxeuse, Elodie la boxeuse. Qui a le lutte. Donc en gros, anticonformiste, ça fait qu'on n'a pas le même, les mêmes trucs que de base, en fait. C'est ça, anticonformiste, dans le jeu. Confère de l'armure bonus. Ah, je vais mettre des points dans mes PV et dans mon déter, parce que je trouve que ça permet de faire des builds de ouf. Donc on rappelle, la guitare, vous avez qu'un seul shot, et la seule façon d'avoir un autre shot... c'est de faire un saut tournoyant. Voilà, et vous, même si vous en faites deux, vous n'avez pas le droit de faire deux shots. Ça serait un peu plus facile, bien sûr. Et c'est un shot, hop. Un shot, hop. Un shot, hop. Voilà. Et le Y, c'est un sort qui passe à travers. Et si on arrive à faire un kill avec... Attendez, j'ai du pognon là? Non, j'ai 15 de pognon, donc c'est mort. Allons-y. Allez, Charon! Nouvelle run, et dans l'épisode précédent, si vous ne l'aviez pas vu, nous avons battu l'épisode, le boss de la zone 3. Donc je vous conseille de regarder l'épisode parce qu'il était vraiment très très cool. Donc vous aurez compris qu'avec un personnage aussi pourri, on va pas attaquer la zone 4. Hein, on va essayer de trouver une bénédiction pour tout simplement pouvoir faire ce qu'on veut, quoi. Est-ce que mon chat passe à travers? Même pas. Donc pour tuer lui, ça va quand même être coton. Hein. On va le tuer comme ça. Et lui, on va le tuer comme ça. Hop. Ça, c'est d'une galère, mon pote. Heureusement qu'on va pas dans la zone 4 directe. Hein. Faut faire une attaque tournoyante. Hop. Pour pouvoir récupérer les derniers trucs comme ça, histoire d'être tranquille et d'avoir directement le premier shot. J'ai du talent. Bon. Là, j'en ai plus. Voilà. Raté. Très facile cette classe. Très facile cette arme. Pas de soucis. On va y arriver. Et là, boum, on a une bénédiction et on peut changer d'arme. Le rayon Tesla confère la bénédiction de sagesse. On va tenter. Boule de feu, c'est sympa, mais je préfère utiliser autre chose. Rayon Tesla. Ok, donc c'est mon nouveau spell. Ça coûte 50 de mana. Ok, c'est pas dégueu. Hop. Faut prendre l'habitude de tout détruire avec ça. Pour avoir ensuite le shot. Oh, une pizza. Sympa. Bob. Il est invulnérable. À cause d'un boss. C'est qui? C'est pas lui en plus. Ouais, ça me casse les couilles. Je viens pas par là. Ouf. Oh, ça c'est facile aussi ça. Ouais, c'est très très facile. Hop. Oh. Ouf. Le double saut, faut y penser. Ah, c'est chaud. Hein. Oh là 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 là. Ok, il doit y avoir une fissure quelque part. Non, il n'y a rien là-dedans. Hop là, le double saut qui me fait me rattraper. Ok, alors. Toutes les reliques augmentent vos dégâts de 6%. Relique de serment augmente votre quantité d'or de 35%. Mais vous quittez le jeu, donc c'est pas ouf. On va pas faire ça. Toutes les reliques uniques augmentent vos dégâts. Donc là, c'est pas mal, vu qu'on est déjà à deux reliques. Donc on va augmenter notre dégât potentiel, vu qu'on a de la déterre à pas savoir quoi en foutre. Et ben, on est pas mal. Moi, je pense que c'était pas un mauvais choix. Par contre, je vais pas passer par là où il y a le boss tout de suite. Je vais préférer passer par là et ensuite remonter. Je pense que ça sera plus... ça sera plus safe. Ah ouais, on est passé à 96 de dégâts. Pas dégueu. Pourquoi d'un seul qu'on a fait moins, mais on peut remonter par là. Voilà. Ah,
là c'était dur. Merde, merde, j'ai perdu mon attaque en plus. Voilà. Loin d'être archi simple quoi. Ouais merde. Ok. C'est là qu'il y a le truc. Ok, on est à 432 PV. Le boss il est pas là. Merde, le boss il est au-dessus, on a vu. Lui on peut le tuer parce qu'il est suffisamment bas. Merde, je voulais sauter dessus. Voilà. Lui il est invulnérable, donc il faut essayer de le faire venir. Il ne l'est plus. Bien fait. Et qu'est-ce que vous croyez les potes? On est malin sur les cartes TV. Ah il est invulnérable. On va récupérer notre attaque avec ça. Le rayon Tesla. Voilà. Ça c'est une run qui va durer longtemps hein, si on doit tuer comme ça et qu'on n'arrive pas à trouver de bénédiction de combat. Ça peut durer longtemps hein. Au moins on a du courage. Je suis un rocker les amis. Je suis un rocker. Eh oui, on grid. On grid toujours sur l'Aker TV. Ouais. Ouais, c'était ce qu'il est quand même. Merde. Ok. Et là. Voilà. Hop. Alors j'ai l'attaque Tesla qui est pas mal, mais qui doit toucher un mur. Non, c'est pas dingue. Ok, le pognon. Oh, c'était rentable. On repart. Hop. Oh le con. Vous sentez que je suis pas un mec patient? Ça se sent un peu. Alors, toutes les reliques augmentent vos dégâts de 12%. On prend ça. Hein. C'est parce que ça fait x2 en fait. Donc après, ouais, on est à 140 de déter maintenant, donc il va falloir tomber sur des trucs. Merde, bien joué, Claire. C'est terrible, ça. Voilà. Ok, on est bon. Ah oui! C'est bien, c'est bien, c'est bien. On remonte petit à petit. Hop, hop. Oui. Alors faut prendre le dernier, on sait jamais s'il y avait un truc dedans. Bon. On est remonté à 386, il nous manque 200 PV. C'est pas trop mal. Là il y a un trésor quelque part. Qu'on n'aurait pas eu et qui est censé être en haut à droite. Non, on l'a déjà pris. Tout va bien. Ensuite, continuons les amis. Il faut descendre vers le bas. Ou alors aller à droite. On va descendre d'abord. Il faut qu'on retombe sur des trucs qui nous permettent d'échanger de pouvoir. Même si le rayon Tesla est pas mal et que... Tout va bien. C'était chillax ça. Là maintenant, il faut aller sur la droite. Ok, le rusher d'abord. Hop. On est bien. Salut toi, dégage. Le con. Ok, une autre... Ah, le ragoût. Ça nous dit bien. Ça nous dit bien le ragoût. Let's go le ragoût.
On va pouvoir manger un petit peu. Bien joué, Kier. Tu vas y arriver. Allez. Ok. Boum. Ouf. C'est pas loin que je me fasse toucher. Boum. Et sans de dégâts, hein. Oui. Gellerman. Oh non. Bien joué. On peut manger un petit coup de ragoût. Passe à 526 PV. Il peut pas descendre. Boum. 117. Petit crit des familles. Parce que j'aimerais j'appuie sur la touche pour réattaquer, mais je peux pas. Ah là, il y a un truc. Ah, j'ai compris comment ça fonctionne. Désolé, j'avais pas vu. J'avais pas vu le potentiel. Coffre. Je l'ai vu qu'après. Ok, tout va bien. Boum. 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 Ok. Tout va bien. Et la zone là, il y a la zone 6. On sait jamais si on tombe sur un petit truc de PV. Là, genre. J'ai cru qu'il y avait une pizza. Je suis full life, les amis. Je suis full life, donc j'ai bien fait. Et 587 PV. Le miracle serait d'obtenir une vraie arme. Et là, la poisse que je vais me taper. Pas de nouvelle arme pendant toute la run. Alors ça, c'est censé servir à quoi? Je sais pas. Là, il n'y a pas de fissure, par contre. On est d'accord, hein. Ok. Ok, ok, ok. Surveillons un petit peu. Ouais, il y a à droite, là. Dans cette pièce, on a tout fait. Non, dans cette pièce, c'est super haut, donc on peut pas. Ouais. On peut le faire qu'avec les ailes d'Icar ou un truc comme ça. Ok, on va attendre. On va être patient. Bien joué, Kier. C'était pas dingue. La plateforme, elle ne disparaît pas, donc c'est bon. Comment on fait pour aller là sur... Je sais pas comment on faisait pour aller là-bas sans... Sans le pouvoir. Ça, c'est déjà fait. Je sais que je peux aller à droite. What? What? Là, c'est dans le mauvais sens. C'est dans le bon sens. Ah non, c'est dans le bon sens. Je crois que c'était dans le mauvais sens, le truc. Vas-y, on repart par là. Et on remonte ici. Il nous faut un petit peu de PV, mais bon, on est tombé déjà sur pas mal de poulets, donc ce serait étonnant qu'on retombe encore dessus. Puis on n'est pas non plus si mal. Niveau PV. Oui, poulet encore. Putain, chanceux. Continuons, montons vers la zone 4. Encore un poulet dans la zone. Foutage de gueule, là. Là, on a de la chance, hein. On peut se faire toucher après. Bon. Au moins, elle fait mal, mon attaque. Vous me direz, au moins, elle fait mal, ton attaque. Ouais, mais j'attaque toutes les demi-heures, quoi. Pour faire un boss avec un truc pareil, avec un pouvoir pareil. Oh là, c'était chaud, le rusher. Bien joué, j'ai sauté trop tard. Oh, le skill. Le skill à l'état pur. Hop. Ok. Hop. Gauche ou droite, ou en haut. Ah non, toi t'es chiant, toi.
J'ai pas réussi à rebondir dessus. Tranquille. Voilà, sans les mains. Le pognon, hop, on passe par-dessus. Et on réenchaîne vers le bas. Salut. Et voilà. 2596 de thunes. C'est pas mal. J'ai oublié que j'avais le double saut. Salut. Mon tofu dégage. Oh, une petite piécette. Petite piécette à 12, c'est déjà ça. Vas-y. Nouvelle zone. La zone 4. Ouais, je prends le pognon. Ouais, je me casse. On reviendra, on reviendra. On reviendra. Mais il me faut une arme. Il me faut pas la guitare électrique, s'il vous plaît. Guitare électrique pour la zone 4, ça a l'air coton. Déjà que la zone 3, guitare électrique, je pleurerai. Alors, est-ce que j'ai l'Axis Mundi? Non, l'Axis Mundi, il est... Oui, c'est ça, l'Axis Mundi. Je sais pas comment on y va, les potes. Là, je comprends pas le délire. Parce que c'est sur la droite qu'on peut arriver. Oui, je comprends pas. Ah non, c'est sur la... Oui, c'est sur la droite. Mais il n'y a pas de truc sur la droite du machin. Je sais pas si vous comprenez mon délire. Depuis tout à l'heure, j'hallucine. Je sais pas comment on fait pour y aller. En fait, c'est simple. Hein. Il suffit de se téléporter et de faire marche arrière. Et ouais, les potes. Il y en a là-dedans. On fait ça et puis on revient vers la gauche et on voit bien où ça mène. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Là. Ça mène où, là? Votre délire, là. Ça mène là. Ouais, ça a l'air très très fun, votre délire, là. Ouais, ça avait l'air d'être très très fun, votre délire. Ouf, c'était propre. C'était déjà ça, déjà ça. Déjà, on va essayer de comprendre où c'est que ça commence à mener, ce truc. C'est vrai que les rushers, on peut passer à travers, en fait. Ils nous touchent pas. À part quand ils nous rushent. Ça, c'est un truc que je savais pas. Mais les rushers dans toutes les zones, genre les boucliers dans la zone 3... Ok, donc c'était par là. Bien joué, Iker. Bien joué, Iker. C'est dégueulasse. Ok, salut, hein. Je vais te tuer quand même, mais... Mais t'es chiant. Oh, t'es chiant. Oh, t'es chiant, toi. Ok, soignons-nous. Ok. C'est bon? C'était là? Ok, c'était là. J'ai pas regardé, je regardais la minimap. Je me suis dit, c'est pas grave, avec ma vision périphérique, je vais y arriver. C'est-à-dire qu'on vous regardez pas parfaitement, mais là, vous voyez bien que s'il y a quelqu'un qui vous fait ça, vous voyez quand même, oui. C'est ça, la vision périphérique. Ok, de la bouffe. Ok, de la bouffe. On grille encore sur ça. Il y aura de la bouffe là. Non. Ok, l'Axis Mundi. Mais dans l'Axis Mundi, on peut vraiment tomber sur une bénédiction d'une arme? Oui, dans les machins, quoi. C'est vrai que dans les machins, on peut tomber dessus. Oh, t'es casse-cou comme bestiole. Ah, je les one-shot plus. Comment je fais pour passer là? Caméra. Ah, sinon je pouvais pas passer parce que j'avais pas le pouvoir d'attaquer. Oh, quel poulet. Let's go. Ah, je passe à travers aussi ce truc là. Ah, c'est pas que tuer quelqu'un comme ça, c'est un peu chiant, mais un peu quand même, on va pas se dégager.
la facilité déconcertante. Si encore la note elle traversait, qu'on pouvait toucher deux unités avec le truc, ça serait trop fort. Enfin, ça serait intéressant quoi. Là c'est dégueulasse quand même. On va se le cacher. Oh les deux d'un coup. Ça on aime. J'ai vu qu'il y avait une boule d'énergie qui me poursuivait. Au secours. Au secours. Ouais. Voilà. Salut. Voilà. Et là je fais hop hop. Non. Hop hop hop. Voilà. Hop. Raté. Mais pourquoi j'ai fait ça? Quel était l'intérêt? On y va. Coup de ragoût? Coup de ragoût. Oh, qu'est-ce que j'ai été con là-dessus. C'est quand même la pire arme du jeu, quoi. Tout le monde a envie d'être un rocker dans la vie, donc forcément, fallait que je le prenne, mais c'est la pire arme du jeu. Oh, la paire de coronets, les amis, la paire de coronets. Mais quel joueur, quel joueur. Quel joueur, quel joueur. Boum. Je l'avais pas vu. Je m'en doutais. C'est dur ça, c'est dur ça. C'est très dur. Non, c'est pas fait pour moi. Salut. C'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi, je laisse tomber. Je me suis fait péter le cul. J'essaye, hein, mais des fois je comprends pas comment ça marche. Ah, si le shot pouvait passer à travers le mur. Oh, ça, c'est un boss, ça, non? Oh, putain, c'est chiant. Kamehameha. Mais qui a dit que c'était dur, ce jeu? Oh, je me fais enculer là! Il est toujours pas mort. Horrible boss! Bah ouais, parce que je peux pas les péter. Bah si, je peux tournoyer dessus, mais c'est quand même chaud quoi. Allez me lâcher la grappe, merci. Ragout. 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 Objectif, revenir full life maintenant. Ah, oh, c'est trop dur cette arme pourrie. Ah, oh, ça one shot plus. Ça devient trop dur. Quelle arme de merde. Non. Non. Prends cher quand même. Oh là 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 là. J'en ai plein le cul de ce boss. Merci.
c'est important de le faire. Oh, on n'a pas de bouffe. Attention, Ikeros, la mort est proche. Pourquoi j'arrive plus à tournoyer? Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Et là, ils ont rendu la zone plus compliquée qu'avant. Hein. Ça sera bien. Là, j'ai plus que 109 de vie, 111 de vie. C'est dur. Hein. C'est vraiment très, très, très dur cette arme. Ça t'apprend la patience, Iker. Mais oui, oui, oui. Oui, ça m'apprend la patience que j'avais pas détruit le pic sur le côté là. Ça vous dirait pas de me filer une autre arme là? Genre là, une autre arme, s'il vous plaît. Des PV aussi. Une autre arme là. Bah impossible avec ça. Mais impossible avec cette arme. Cette arme de merde là. Quoique si, c'est peut-être faisable avec cette arme. Bah on n'aura pas réussi. Bien voulu un petit peu de vie. Ça m'aurait fait plaisir. Oh non, pas cette merde. Oh non, tu te fous de ma gueule. Ah, je tue les deux au moins. Je sens que le prochain mob va me tuer. Bon, c'est une rune à plus de 5000 de pognon! Voyons les choses positives! On aurait tous voulu voir la zone 4, mais. C'est difficile avec ce personnage. C'est facile hein, de pouvoir. En plus, on peut pas les shoot. Les one shot. Viens là. Oh, j'ai fait le tag là. Ok, les caisses en bas. Pas de vie. Dégage. Tu peux me toucher là ? Bonjour, dégage. On s'en fout en fait. On s'en fout. Ok, on a la moitié. Peut-être une chance qu'il y ait des PV en haut. Allons les chercher. Zone 5. Pas de ragoût, on a rien. Petit violon. Au moins, quand tu joues cette arme, t'apprends à faire le saut tournoyant. Hein. Ok. Ok, toujours zone 2. Toujours vivant. Oh. Et ouais, je peux pas tirer. C'est l'ennemi numéro 1 de mon style de gameplay, ça. Ouais, parce qu'en fait, quand t'as plus de balles, bah t'es obligé de tournoyer dessus. Donc c'est super risqué, en fait. Allez, une arme. Oui, on prend les PV cette fois. On prend les PV cette fois.
Ah, ça redonne pas une charge de ragoût, je suis un peu deg. Je meurs avant que tu aies le temps de taper. Merde. Allez, on y croit. C'est pas encore fini. Pour le joueur français, on peut encore y arriver. Ouf, c'était chaud du cul. On peut risquer ce qu'on a fait, mais ça passe. Ok. Toi, tu vas être chiant. Là, vous voyez, c'est très chiant. Alors, vous direz, tu peux utiliser ton Kamehameha, mais c'est vrai que j'ai de l'énergie pour. Ouais, désolé, je joue pas le coffre. Je joue pas le coffre, je joue le safe. Mon objectif, ça serait de remonter à 625 PV, ça va pas être facile, on va bientôt arriver à la zone 3. Qui, on le sait, n'est pas forcément la zone la plus facile, mais sans doute plus facile. Oui, ça remonte petit à petit, ça remonte, 267 PV. Qui n'y croyait plus quand j'avais 20 HP? Et je suis toujours là. Il faut lire ce texte. Ah non, on l'a déjà lu. Ok. Oui. Ah oui, oui, oui. 347 HP. Qui dit 329 HP, excusez-moi, je sais pas lire. Oh, le gros thug. Oh, c'est casse-bonbon cet endroit. Le cerveau il fond quoi, tu dois tellement réfléchir à ce truc. Mon cerveau il a fondu. Ok. Mais pourquoi il s'active pas plus vite? Non, toi je vais te tuer d'abord. Toi tu dégages. Toi tu dégages aussi. Ok. Voilà. Pour être pire, à un moment on était à 20 HP les potes. Non! Tu te fous ma gueule là? Ça j'aime pas du tout. Oh, tu te fous de ma gueule! J'étais persuadé qu'il allait crever. C'est ouf, ça transperce même pas une tête de mort quoi. C'est dégueulasse. Ok, c'est bon. On arrive au bout là? Bientôt. Non! Oh, je l'ai senti arriver! Oh, je l'ai senti arriver. On va pas passer par là. Le but, c'est de passer par là. What? Putain, 204 PV. On perd des PV, là. C'était tellement greedy. Mais pourquoi t'essayes de faire ça? T'es trop con, essaye pas, putain de merde! Meurs avant que. Voilà, il est temps de cracher son venin, lui. Ok. Toi, t'es cool. Ah ouais, mais toi, tu meurs pas en un coup, c'est vrai. Je vais garder le coup pour l'autre. Allez, des points de vie, ça m'irait bien. Pas envie d'essayer.
Si encore le coffre me redonne des PV, pourquoi pas, mais il me redonne pas des PV. Ça y est, on y est. La porterie de Kerguelen. Les amis, troisième zone. Troisième zone, et je suis plutôt fier. C'est une arme pourrie, hein. Vraiment, hein. C'est une arme pourrave. Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui l'aiment. Allez, il y a bien peut-être 1% des gens qui l'aiment bien. Quand tu fais super mal, ça va. Non. Après, portée illimitée de la balle. J'avais pas regardé si elle sort, elle va jusqu'à la fin de l'écran. J'avais pas vu les putains de flèches qui sont là. My bad. Oh, et puis hop, elle descend jusqu'à bas. Hein. Relique de serment, quitter ce monde avec 30% d'or en plus. Non. Pétale de lotus. Augmente vos PM max de 50, afflige juste pour cent de dégâts magiques supplémentaires. Bon, mais dégâts magiques, pour le moment, c'est pas folichon, quoi. C'est pas une obligation, quoi. Ah, toi, t'es chiant, toi. Il a eu le temps. Il aura tout le temps le temps, il faut que je sois... Voilà, faut que j'ai déjà l'attaque. Comme ça, il a pas le temps. Ah, je le one-shot plus. Oh non, c'est un enfer. Faut que je fasse le combo maintenant sur tous les persos. Ah, ça, je le one-shot, par contre. Ah, je one-shot. Ah, avec deux coups, ça passe. Peut-être qu'avec un coup, ça passe pas. Quel objectif? Essayer de battre le record de thunes, ça pourrait être pas mal. C'est faisable peut-être. Oh. Ouais, là par contre ça va me faire remontage à quoi. Meurs petit homme, meurs. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ceux qui connaissent la référence. Oh, il y a un mur qui crépite quelque part. Ici. C'est pas vrai. Let's go. Oh, oh t'es relou. Mais j'ai juste à faire un coup de pied tournoyen. Non, il faut que je le fasse sur quelque chose. Ça serait trop fort. Oui, ça serait trop fort si c'était sur rien. Bien sûr. J'aurais été un peu con si je l'avais pas trouvé que ça marchait sur rien. Là, il y a un... Là, ouais, il y a un zombard. Bonjour, monsieur. On est en train de régénérer, hein. Oh, ça va être relou, là. Bonjour. Ah, c'est plus facile. Oh, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. C'est une question rythmique. Mais oui, mais oui, mais... C'est une question de rythmique, mais faut avoir un cerveau aussi. Ah! Pardon, excusez-moi. Ça fait toujours aussi peur, ce truc. Il y en a un dans le sol, là. Ah, on les voit pas, hein. Il y en a un dans le sol, là. Ah non, pas du tout. Pas compris. Oh putain, les flèches, je les avais pas vues. Il fallait me faire enjamboner. Ah, on prend rien. Ça, c'est bien, ça. Viens là, toi. Voilà. Forcément un zombard là. Non. Cette lettre est ancienne et a été soigneusement enveloppée dans un cuir pour la protéger du froid. Cher Z, il faut que tu sois plus prudente. Ah, Z est une femme.
les gens commencent à parler de la rébellion. Ces murmures échappent peut-être à certains estuaires, mais ceux qui se trouvent dans l'étude entendent tout. C'est pourquoi nous avons reçu l'ordre de jeter l'héritage de Zéphyr dans les eaux stygiennes, pour éviter que les rebelles dont tu fais partie ne s'en emparent. Mais tout n'est pas perdu, un changement récent a remué le lit du fleuve, et l'héritage a refait surface non loin des rivages distants. Je sais à quel point cet héritage est important pour toi. J'ai donc attaché une corde résonnante juste sous la surface. Tu devrais pouvoir l'atteindre depuis le rivage. Je ne pourrai pas te protéger éternellement. Alors bonne chance et sois prudent. Ça, c'est un truc qui explique qu'il y a une corde résonante, ça veut dire qu'il y a un truc pour rebondir dessus. C'est exactement comme ça qu'on a l'héritage, en fait. C'est pour ça, l'héritage, ce sont les pouvoirs que nous récupérons. Relique maudite, puis à purifier à tous les coups, ramasser une potion objet curatif pour gagner 153 PV max et 50 PM. On le tente ? On le tente. C'est risqué, hein, je suis d'accord avec vous. Faut récupérer une relique de soin et c'est bon. Je n'ai jamais su à accepter Nahama en tant qu'estuaire. Elle faisait pourtant des choses bien. C'est facile de condamner tout un groupe en ne discernant que quelles exceptions. Il m'a fallu très longtemps pour me rendre compte qu'en réalité tout le monde est une exception. Non. Excusez-moi. Non. C'est vrai que j'ai moyen de me soigner, mais est-ce que ça enlève? Non. Là. Non. Oh le débilos, putain, crever comme ça, non! Oh, putain, quel run! Quel run quand même! Quel run! Quel run avec la guitare toute pourrie là! Oh! Oh, je peux. Ça donne la migraine hein, de jouer à un truc pareil. Oh là là, il faut rebondir sur chacun des trucs. Oh la chiant! Le chiant lit du truc! Ah, oh, on a atteint combien de thunes? 8000 au moins? 8000 c'est atteint. 8000 c'est atteint. 9000. 9362! Qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Cloche de boxe, relique épique. Votre arme ajoute des points de combo. Mais ça, on sait pas trop à quoi ça sert. Votre arme ajoute des points de combo. Quel est l'intérêt? C'est-à-dire qu'elle fait de plus en plus mal? Antiquité, Home d'Hector. Lorsque votre niveau de santé est inférieur à 50%, vous infligez 20% de dégâts de sort avec le sort et les armes. Oh, c'est fort, Sir Thomas, ça. Oh, c'est fort, mon cher Thomas. Eh ben, je pense qu'on va se laisser là, parce que mes runs sont longues, à moins qu'on fasse juste un petit peu de la Valkyrie, on va directement zone 4. On fait ça? On va directement zone 4. Enfin, on va directement. On peut pas y aller directement, je crois pas que j'ai le TP, mais on va y aller assez vite. Point d'éther? Alors c'est un point de déter par point de déter, hein, donc c'est pas non plus oufissime, mais bon, au moins une fois qu'on les aura, on les aura. J'ai de la thune, j'ai encore 1200 de thune. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me plaît dans les runes? Je crois pas. La rune de focale augmente vos chances de coup critique avec la magie. Rune des anciens augmente vos dégâts critiques avec la magie. Rune renforcée augmente votre armure totale. Ça peut être intéressant d'avoir l'armure renforcée. Ouais. Bonjour monsieur. T'as la classe gamin. Alors elle est en armure plus 1. On peut pas l'améliorer, on a pas la thune. Dommage. Ok, donc je connais mes attaques. C'est parti. Allons en zone 4.
Allons explorer la zone 4. Ça serait bien de le faire, voilà, avant de clôturer. Pour avoir la continuité de ce... Parce que là, c'est vrai qu'on a fait... C'est vrai. Une run à la Jimi Hendrix. Donc, faut que je trouve la zone 4. On sait, faut aller vers le haut. Donc, dès que vous pouvez aller vers le haut, allez vers le haut. C'est comme ça que vous... Vous arriverez plus facilement à trouver la zone 4. Hop. Hop. Mm-hmm. Zone ici, ça c'est pas mal. Ça permet d'obtenir des ressources. Et puis c'est toujours fun de faire des combats. Non! Je l'avais pas vu arriver. Je me demande, je prends mes dégâts de mon propre poison? Bonne question. J'en ai pas la moindre idée. Ah, il a le temps de rush quand même, je pensais qu'il allait mourir. Ah non, je savais pas qu'il y en avait deux, j'en avais vu qu'un. Oh le con du cul, c'est des boss là normalement. Il faut les tuer vite. Potatata ! Et là c'est des trash. Ça permet de régénérer un peu, c'est bien. Ok, tout va bien. Bon, c'était un peu une catastrophe, mais vous n'avez rien vu. Let's go. Go zone 4. Bon, ça a un coffre qui rapporte plus de pognon, mais... Ça, c'est super fort. C'est vrai que l'attaque qui rebondit, elle fait pas de dégâts, mais... L'attaque de Lancelot vers le bas, elle fait beaucoup plus de dégâts parce que c'est pas la même chose en fait. Bon, il serait peut-être temps de régénérer un peu de points de vie là. Je peux vous assurer que c'est plus plaisant à jouer comme arme. Hein, que l'arme qui te dit non toutes les deux secondes. Non, tu ne joueras pas. Il faut que tu rebondisses d'abord sur quelqu'un. Le truc bien chiant quand même. Non, t'as pas le droit de jouer. Puni. Ouais, hein, on va faire comme ça. Salut. Le con, j'avais pas besoin de ressauter parce que le truc allait se diriger vers moi. Ok. En fait, tu peux prendre le coffre et te barrer en fait au départ. C'est ça le but. Ça vaut le délire. Bon bah je suis allé en haut mais ça marche pas. On va quand même aller un peu en bas. Ok, on retourne à droite. Ok, bonjour monsieur. Ah y'a un chemin en haut. Ah il va. J'avais pas vu. Bon j'ai quand même là pour prendre la bouffe. Quand même pas déconner. Zone 4? Non. Ah bah c'est pas possible que ça soit la zone 4. Les coups de pied tournoyant. Oh non c'est nul à chier. Vous gagnez 10% de dégâts magiques supplémentaires par ennemi vaincu. Ce bonus s'accumule lorsqu'on vous touche. Le bonus s'annule lorsqu'on touche. C'est bien de gagner des dégâts magiques parce que ça va permettre de gagner des dégâts sur ma boule de poison. Donc, je pense que c'est pas dégueu. Et j'ai rien raté vers le haut là. Bon, j'ai rien raté vers le haut. Oh le con. Des fois tu sautes mais t'as pas besoin. C'est bon, je suis full mana de toute façon. Ah oui mais ça dure pas indéfiniment hein.
monter là ou faut pas monter là? Faut pas monter là. C'est rien ça. Ne perdez pas de santé. Faut aller où là? Ah oui, j'ai adoré ça. Je m'attendais pas au pic à la fin, j'ai adoré ne la prendre sur la fin. Quoi. Mais ça va, c'est passé quand même. Pro gamer ici sur Liger TV, vous le savez bien. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé ma run de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Et pas Jamie Hendrix. Ok, droite. Bonjour monsieur. Pognon. Bon, c'est vrai que c'est pas grand chose, hein. 870, c'est vrai que les premières zones ça pue du cul, mais bon là, le but c'est d'aller dans la zone 4. Hein. C'est vrai, encore quand on avait la zone 3, on pouvait directement rush, mais là, on n'a pas payé la dame pour pouvoir rusher direct. Bref. Va falloir payer la dame pour rusher direct zone 4. Donc c'est vrai que faire la thune, là, ça serait bien quand même pour pouvoir payer la dame, parce que ça va coûter sans doute encore un bras, ça. Ok, on peut aller vers le bas, mais... En théorie, zone 6 hygiène, c'est pas vers le bas. Ah, oh, il y a du poulet. Yes. On est à 7 PV près. Bah, sacrifice, hein. On grid. Je sais pas si c'était une bonne idée, puisqu'on veut aller vers la zone 4. Je sais pas si c'était une super bonne idée. Mais bon, on aime ça. On aime la difficulté sur la Liger TV. Vas-y, on les deux d'un coup. Hop. Boum. On descend en enfer là. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Eh, ça l'arrête pas, hein. Là ça tue. Oui, bien sûr. Alors, on veut des PV s'il vous plaît. C'est quand même un sacré pari parce que c'est pas comme si tu pouvais avoir des points de vie à coup sûr. Tu peux vraiment avoir la poisse. Donc on peut pas augmenter notre probabilité de trouver de la bouffe pour le moment en tout cas. Ça, c'est un rusher. Ah, il rush plusieurs fois. Foutre une boule de poison dans un cul. Parce qu'on avait des dégâts au maximum là. À moi le pognon. Hop. Ok, 1500. Ouais, ça va nous coûter 2000 au maximum, je pense, le TP. Donc on est. D'un côté, c'est bien de ne pas le trouver tout de suite. Parce que de toute façon, on n'aurait pas pu payer le TP. Ce serait bien de payer le TP pour les prochaines, pour le prochain épisode où on va essayer de. L'objectif, ça sera d'avancer dans la zone 4. Sauf si on a les 3 pires classes du monde, c'est-à-dire mage, la guitare électrique. Ce qui n'est pas une classe, mais. Ok. Fallait que j'attende que le truc sorte. J'étais vraiment très très con là. On a le temps. Non! On attend. C'est un peu grid, on a le temps le dernier quand même. Le kart. Tu te fous de ma gueule le jeu là? D'habitude c'est tout le temps vers le haut. On a rien raté vers le haut. Par là alors. Ça c'est le boss ça. Rentable, rentable d'aller jusqu'au boss quand même. Et ça doit être par là. Alors, toutes les 5 secondes, votre prochaine attaque avec une arme infligeant 50 points de dégâts magiques, bonus à tous les ennemis à proximité. C'est super fort ça. Coup de 15 de détermination, l'aubaine de la pierre lourde. On va prendre parce qu'on connaît pas.
Votre arme affiche 100% de dégâts supplémentaires, mais elle est désormais un temps de recharge de 2 secondes. Oh le truc casse-couille. Oh le truc casse-couille. Bon, on y est. Oh putain, mais c'est horrible, ça ressemble à... Bah ça ressemble à l'arme que j'avais avant en fait, hein. Voilà, on a deux fois la même arme. J'adore ma vie. Ah ouais, le temps... Oh le... Oh là 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 là, le temps de recharge. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Ok. Bon, on est dans la zone 4. Attendez, attendez. Je peux payer, madame. Madame. Je peux payer votre pizza 2000 pièces d'or. J'ai besoin de 1750 pièces d'or pour débloquer. D'accord. Et boum, on a plus de thunes. Ça, c'est la run de la pauvreté. La run du Ikeros. Alors. Ok. Il y a un délai qui fait que je peux passer. Toi, tu nous fais quoi, là? Voilà. Ok, je peux plus taper. Hop, je peux retaper. Oh, ça va être bien. Je peux plus taper. Je peux retaper. Ah, il fait un peu comme le boss, quoi. Voilà. Je peux plus taper. Oui, de la bouffe. De la bouffe. Encore. C'est quoi ce truc là? Pourquoi je peux pas passer? Je sais pas. Énigme à résoudre. L'année prochaine. Alors rappelons que ces pics là sont chiants. Cette fois elle est là. Cette fois elle est là. Plutôt c'était là. Rien de compliqué. Les tableaux sont chelous, ils bougent. Ouais, les tableaux sont vivants, c'est bien ce que je pensais. Une. Deux. Un. Deux. Ok. Troisième tableau. Pourquoi je peux pas le taper lui? Je sais pas. Ah ça, faut que je rebondisse dessus, non? Ouais, c'est ça. Pas compris pourquoi certains tableaux sont vivants et d'autres pas du tout. Pas compris. I don't understand very well. But as you wish. Ok. C'était juste pour la piécette. Hein. On va à droite. Ok. Oh non. On va se faire laver le cul si on va là-dedans. On y va. D'accord. C'est quoi ce machin? Oh, je peux attaquer toutes les deux secondes. L'enfer. Un boss alors que tu peux l'attaquer toutes les deux secondes. C'est le kiff. Là, vous voyez, j'ai le sourire là. J'adore ma vie. Oh, il est pas très dur sur le papier là. Juste être concentré, Iker. What? Il s'est dématérialisé ou quoi? Oh, il m'a fait un truc chelou là, le truc. Allez, sois concentré. Ouais, mais ça désynchronise, putain de merde! Pardon, excuse-moi, j'ai glissé. En fait, c'est horrible parce qu'on a deux secondes, donc on se dit, là j'ai un moment pour taper, facile. Mais en fait, j'ai pas l'arme. Ouais, mais le problème, c'est que c'est le premier monstre. Ah non, c'est tout! Oh, j'ai pas de rune, dommage. J'aurais eu une rune comme ça, j'aurais été content. Parce que voilà, on est dans la merde maintenant. On fait toucher une fois, je crève. C'est quoi ce machin? C'est tapable ça? Non. On a dit, je vais pas essayer de rebondir dessus. Ah! C'est un mimique!
Oh, tué par un putain de mimic, ça m'était pas arrivé depuis que j'étais petit dans Final Fantasy. Non, c'est pas possible. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. On a récupéré le niveau 4. Ça permet de terminer une petite VOD d'une heure et 10 secondes. Voilà. Voilà, que demande le peuple. Voilà, vous avez votre petit épisode de Rogue Legacy. On a un peu découvert la zone 4. Alors, c'était vraiment pas mal. Mais j'espère que vous avez kiffé ma run de l'emmerdement. La run de l'emmerde. La run de l'emmerde avec le loot. C'était chiant. Je ne prendrai plus jamais ce truc. J'avais pour but de changer d'arme, mais j'ai pas eu d'arme, donc c'est compliqué. Vous faites des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Nous, on se retrouve dans 2 jours pour la suite de ce Let's Play de Rogue Legacy 2. Et ce sera la zone 4. Ciao.